Klaxonner, hein. Klaxonner, ça va avancer là. Où est-tu? Ouais, on te klaxonne, ça avance. Connard. Merci, Simone. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es Fessard qui m'envoie ça? Pour qui il se prend celui-là? Sa tête ne va pas, il croit que j'ai que ça à faire, par hasard. Hein? Non mais tenez, Simone, vous lui rapportez sa note, parce que moi, j'ai absolument pas le temps de faire ça, étant donné ma charge de travail, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à la donner à Tremblot. Il était là au stage, Tremblot. Enfin, vous la donnez à qui vous voulez, mais moi, je suis bloqué. Mais c'est à peine croyable, il se croit tout permis, ce gars. Mais avec tout le boulot que je fais ici, je suis pas du genre à me déculoter. Ça va, ça.
Bibiche ? Bibiche, c'est moi. Oui. Dis, tu sais pas la dernière de Fessard. Mais attends, il me fait une note pour me demander un rapport sur le stage, soi-disant pour que ceux qui n'y sont pas allés puissent profiter de ce qu'on y a après. Non mais tu te rends compte ? Tu te rends compte, ce culot ? Non mais enfin, ah oui, mais bien sûr, mais tu penses. C'est uniquement pour ça. Voilà, il va comprendre, hein. Oh, il va comprendre. J'ai mieux te dire que je l'ai mouché. Oui. J'ai dicté une note à la petite Simone, j'ai mis tuyeux et mordu en copie, c'est ce que je lui ai mis. Je lui ai mis, en tant que chargé des relations intérieures depuis des années, je lui ai mis, j'estime que je n'ai pas de leçons à recevoir de la part du service marketing, et j'ai ajouté, qui plus est, quand il s'agit d'un collaborateur de fraîche date. Signé du pire. Ah non, tu sais, non, avec tout le boulot que je fais ici, je suis pas du genre à me déculoter, non, je suis obligé de signer, Geneviève. Je suis obligé de signer, sinon ça prouverait que je suis un dégonflé. Non, tu ne te rends pas bien compte. Tu ne te rends pas bien compte de la lutte pour le pouvoir. On fait ma confiance. Si je lui ai dit ça, c'est qu'on peut lui dire n'importe quoi. C'est comme si on faisait rien. Ça glisse. Au fait, il faudra qu'on dîne bien à l'heure ce soir parce qu'il y a Colombo. Si, c'est ce soir. Si, c'est ce soir, Jules. Mais je le sais quand même. Je le sais parce que je le sais. Un point, c'est tout. Qu'est-ce qu'on mange ? Hein ? Hein ? Ah non, au beurre, c'est meilleur. Au beurre, oui. Il y a bien le samal aussi. Bien. Bon, bah écoute, Billy, je vais te laisser parce que j'ai encore plein de dossiers, là. Je vais tâcher de ne pas rentrer trop tard. D'accord, grosse bise. Grosse bise. Qu'est-ce qu'elle me raconte encore, celle-là ? Qu'est-ce que... C'est ce soir, Colombo, qu'est-ce que... Oh, merde, on ne peut pas avoir la paix deux minutes dans cette cambouise. Oui ! Oui ! Bonjour, Président, comment allez-vous? Ça va très bien, Président, je vous remercie. J'avais pas reconnu votre pas. J'ai trouvé beaucoup de boulot à mon retour de stage, mais je m'y attendais, vous savez. Ah ça, quand on s'absente pendant 10 jours... Hein? Le stage, passionnant. Alors, vraiment passionnant, on n'a pas levé le nez pendant 10 jours, comme je disais à la petite Simone. C'est dommage d'aller dans un si bel endroit pour travailler autant. Mais le jeu en valait la chandelle. Monsieur le Président, monsieur... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais c'est effarant. Mais c'est effarant, mais de quoi se mêle-t-elle, cette espèce de grosse... Ah, Simone, j'avais pas vu dans le couloir. Simone. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le type qui organise le stage, hein, un type très fort, avec qui j'ai beaucoup discuté d'ailleurs, m'a dit et répété, excusez-moi Président, je ne dis pas ça contre vous, mais enfin, il m'a dit et répété, à moins que dans votre boîte, il soit vraiment bouché à l'émerie, n'est-ce pas, il ne faut pas écrire de rapport de stage la première année. Il a dit que c'était très risqué, que ça donne souvent, comment dire, un bloc mental. Un bloc mental, Président. Un blocage des idées, si vous voulez, une fixation. Hein? Bon, donc, lui, m'ayant recommandé, n'est-ce pas, d'attendre, d'avoir suivi 2 ou 3 ans de suite le stage, avant de pouvoir en tirer Oui, non, vous avez parfaitement raison, Président. Ah oui, il faut en prendre et en laisser. Non, mais d'ailleurs, moi, je vous dirais, je ne me suis pas embarrassé pour passer outre. Non, parce que ça m'intéressait tellement que j'ai commencé à le faire pour moi, là, voyez-vous. Quoi, le rapport, je l'ai fait dans mon coin, je l'ai déjà même pas mal avancé, le rapport. Absolument aucun problème, Président, disons demain matin. Bah écoutez, disons vers midi. Hein? Bah écoutez, non, j'ai beaucoup de boulot, mais je suis pas du genre à me décourager, hein ? Président ? Allô, la Sémina ? Oui, passez-moi le responsable du stage d'Antibes, je vous prie. Non, je n'ai plus son nom en tête. Oui, ça doit être ça. Oui, j'attends. Allô ? Bonjour, ici Paul Dupire, de la Sumatra. Oui, je faisais partie du stage d'Antibes. Oui, non. Non, c'était au croquet. Au croquet, oui. Non, enfin, non, vous vous doutez bien que je ne vous appelle pas pour vous parler de croquet, ni de badminton, et encore moins de cette lamentable course en sac avec les serveuses. J'ai vraiment autre chose à penser en ce moment. Bien. Alors, monsieur, je ne comprends pas très bien vos méthodes de travail, n'est-ce pas ? Parce que voilà 8 jours que nous sommes rentrés, et j'attends toujours votre rapport de stage. Mais enfin, monsieur, mais pas du tout. Mais monsieur, votre collaboratrice me l'a confirmé, je ne plaisante pas, monsieur. Mais monsieur, vous mettez ma parole en doute, les choses vont se gâter, là. Je ne plaisante pas, monsieur. Monsieur, vous avez dit, celui qui me bat au ping-pong, j'y file le rapport tout fait. Et vous avez ajouté gratuit, n'est-ce pas ? Et je vous répète qu'il y a plusieurs témoins.
Ah, mais monsieur, mais dans ces cas-là, monsieur, mais si vous ne tenez pas l'alcool, il faut rester à jeun, monsieur. Mais moi, j'ai absolument besoin de ce document, n'est-ce pas? Alors, il est exactement 17h55. Vous vous débrouillez comme vous voulez, n'est-ce pas? Moi, je suis débordé de travail. Monsieur, vous vous débrouillez comme... Mais je vous somme de me transmettre le rapport avant le lever du soleil. J'essaierai de le relire, ce sera déjà une acrobatie. Voilà. Bonsoir, monsieur, et sachez que je ne suis pas du genre à me déculoter. Pardon, ça. Pardon.